vivons une époque fantastique. Le temps ne marche plus, il galope. On ne fait plus rien sans statistiques. Partout règne le système galope. Aussi je me suis mise à la page. Avant de me marier, j'ai tout d'abord établi un petit pourcentage des représentants du sexe fort. Il y a les mâles fichus, 10%, et les moustachus, 7%. Il y en a quelquefois de ravissants, environ 3%. Il y a les militaires, 15%, et les fonctionnaires, 30%. Mais des millionnaires, il n'y en a pas 1%. Mais cette petite arithmétique rapidement m'a prouvé qu'un mari très sympathique, c'est pas facile à trouver. Il y a des sensuels, 20%, des spirituels, 5%, mais des pas fidèles, ça y en a 100%. Je n'ai pas peur de la bagarre, j'ai fini quand même par dénicher un garçon modèle, un oiseau rare, tout à fait celui que je cherchais. Jusqu'au jour de notre mariage, il fut le meilleur des fiancés. Mais je m'aperçus vite à l'usage qu'il n'était pas du tout ce que je pensais. Il est travailleur, 4%, mais il est crâneur, 100%. Pour ce qui est des matins triomphants, faut compter en 5%. Il n'est pas jaloux, non, je le sens. D'ailleurs, il s'en fout 100%. Il ne se fait pas 10% de mauvais sang. Il prétend qu'il dort comme un ange, mais il ronfle toute la nuit. Ce n'est pas que ça me dérange, mais ça manque de poésie. Il a ses manies, et pourtant, je suis toute à lui 100%. Parce que tel qu'il est, il me plaît 1000%.